grand salut à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube signée MDLise juste derrière moi. J'ai une voiture extraordinaire à vous présenter, elle est sublimissime, elle est derrière moi, regardez-la. À votre avis, bon je ne vais pas vous dire à votre avis de quelle voiture s'agit-il parce que vous l'avez dans le titre forcément, c'est la F8 Tributo signée Ferrari, 720 chevaux, c'est juste un monstre atomique. Elle est dans un état, elle est neuve, mais elle est magnifique. Mais quand je vous dis magnifique, c'est pour moi l'une des Ferrari les plus réussites. Je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement de la voiture, voilà comment elle marche. Je vais vous montrer un petit peu tous les éléments, le moteur, l'intérieur, l'extérieur. Comme ça, vous avez visité un petit peu cette voiture avec moi aujourd'hui. C'est très exclusif, il n'y en a pas beaucoup en présentation. Ferrari l'a présenté en 2019. C'est un nouveau modèle qui est très très compliqué à avoir. MDLise a réussi à l'avoir. Franchement, elle est sublimissime. Allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti pour la visite de cette magnifique Ferrari F8, signée Ferrari, disponible chez MDLise, dans le 6e arrondissement à Lyon. Regardez-moi cette arrière extraordinaire, avec ses spoilers, ces échappements qui sont juste sublimissimes et énormes et qui développent, avec ce magnifique moteur réglé comme une horloge, 720 chevaux. Regardez-moi ça, on voit bien le moteur. C'est magnifique, avec ce magnifique spoiler arrière qui est moulé carrément dans la carrosserie. Regardez-moi ces jantes. Regardez-moi cette gueule qui est juste extraordinaire. C'est un mix un petit peu entre la 458 et la 488. Regardez-moi ces étriers. Ce bas de caisse côté, on dirait un avion de chasse, carrément moulé vraiment dans la carrosserie. L'avant est sublimissime et extraordinairement réussi. Regardez-moi cette gueule avec cette magnifique prise d'air qui est ancrée dans le capot pour vraiment avoir un aérodynamisme parfait et une voiture plaquée au sol. Les feux sont super bien réussis. Regardez-moi cette voiture. F8, Tributo, prise d'air de partout. Là, on est vraiment dans la cour des grands. Ceux qui sont amateurs de belles voitures ne pourront pas ne pas aimer. C'est pas possible. Là, on visite l'intérieur. Alors, regardez-moi ça. Vous avez la signature F8 Tributo juste ici. Quand je vais la démarrer, vous verrez, il y a un écran qui va s'allumer juste là. Justement, pour pouvoir ne pas laisser le passager sans occupation, vous allez voir, c'est tactile. Je vais vous montrer les sièges à l'arrière qui sont entièrement en carbone. C'est esthétique, mais c'est surtout aussi un gain de poids. Là, clairement, ça m'appartient, mais vous avez devant moi ma Ferrari préférée. Officiellement. Extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Avant de passer à l'intérieur, je vais quand même vous faire une visite du moteur. Regardez-moi ça. Vous avez bien la signature F8 Tributo juste là. Allez, on va passer à la place qui nous intéresse le plus, celle du conducteur. Bon, on n'oublie pas que vous avez les sièges sport signés Ferrari en alcantara et en cuir avec ce magnifique rouge qui rappelle la couleur de la voiture, les surpiqûres rouges de partout, le petit bouton start, on pied sur le frein, on appuie sur start. Et là, vous avez les 720 chevaux qui rugissent, qui démarrent. Regardez-moi ça, avec du carbone de partout.
Là, vous avez sur le côté passager un écran tactile pour pouvoir justement ne pas laisser, je disais, le passager sans occupation. Hein. Il peut aller sur la navigation, il peut aller sur les performances de la voiture. Enfin voilà, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'options. Mais la place qui nous intéresse le plus, c'est celle-ci. Regardez-moi ce magnifique volant, super réussi, tout petit, avec tous les boutons qu'on a besoin. Amortisseur, démarrage, les modes de conduite, les palettes au volant qui sont pas fixes au volant, mais qui sont vraiment fixées sur le tableau de bord. Et voilà. Vous avez les 720 chevaux de chez Ferrari qui sont vraiment magnifiques et qui demandent qu'une chose, être conduit. Quand on appuie ici, vous avez la caméra de recul qui s'enclenche juste là et vous avez tout le tour des radars pour pouvoir manœuvrer un petit peu cette magnifique Ferrari correctement. Et franchement, elle se manœuvre très très bien, très facilement. Allez, on va la remettre en point mort. Voilà, vous étiez en direct de chez MDLise avec cette magnifique présentation de cette Ferrari Tributo qui est juste extraordinaire. Je vais vous donner un petit bonus parce que je sais que je connais déjà les questions. Quand j'ai montré le capot à l'avant et qu'on voit la prise d'air, on se demande s'il y a un coffre dans cette voiture. Donc ça va être le petit passage de fin, donc ne quittez pas la vidéo tout de suite. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo YouTube avec une nouvelle présentation, des voitures de plus en plus folles. À bientôt, ciao tout le monde et n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu. Ciao. Vous avez le coffre qui est quand même pas mal malgré la prise d'air qui fait perdre, c'est vrai, un petit peu de place, mais c'est pas gênant parce que quand on roule dans ce genre de voiture, je vais pas vous mentir, on pense pas trop à la valise.